Salut amis moi. Jodi a dans 64e numéro dans rubrique noire ma Bible mon trésor, nous allons réfléchir ensemble sur un verset dans Bible. Verset qui concerne nous jodi a c'est 2 Timothée chapitre 1 verset 14. M'a appelé pour vous-même. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi. Youn nan premier mot qui intéresse nous dans verset a c'est mot dépôt. Qui ça on dépouillé? Gen plusieurs façons capable définir mot dépôt. Un dépôt est un objet déposé, confié à la garde de quelqu'un. On peut dire aussi que le dépôt est une garantie. Un dépôt est le lieu où l'on dépose certains objets. Nous capable dire également yon dépôt son richesse. C'est une somme très importante. C'est quelque chose de valeur. C'est un trésor. Si nous tournons dans le texte, nous sommes capables de dire un bon dépôt, c'est une grande richesse. C'est quelque chose d'une valeur inestimable. C'est vraiment extraordinaire. Et Bible a conseillé nous, garde le bon dépôt. On a les toujours. Ou qu'on est, moun pa la ge richesse à terre comme ça. Au contraire, ou mettez l'on lieu qui sûr, ou bien ou al déposer l'on banque, ou bien l'on coffre fort. Pour le capable en sécurité. Le yon moun fait un dépôt pour ou même non banque, le dépose yon grande richesse, yon nan premier bagay qui vient nan tête ou, c'est qui quantité projet ou pral rive réaliser avec richesse ça. Si nous tournons dans le texte là, apôtre Paul voulait expliquer à Timothée que bon Dieu fait un gros dépôt pour lui-même. Li mette yon quantité richesse à disposition li. Et cet esprit qui habite dans cœur Timothée, c'est garanti richesse ça. Bon, ça ne va pas passer par quatre chemins. Richesse ça, trésor ça, c'est l'évangile, la parole de Dieu, la Bible. Léophine converti, bon Dieu restaure la vie, libre accès à richesse ça. Il fait un dépôt extraordinaire pour même dans le bas ciel là. Bon, qu'on y a, bon, l'autre façon capable de traduire texte de Timothée, chapitre 1er, verset 14. Garde les bonnes instructions qui t'ont été confiées avec l'aide du Saint-Esprit qui habite en toi. Garde le bon dépôt. Ça, c'est un commandement. Paul t'est passé à Timothée de la part de Dieu. Timothée t'a une responsabilité pour être capable de kembe. Gardez gros trésor ça, richesse inestimable ça, richesse incomparable ça que bon Dieu t'a confié lui, la sainte parole, les promesses de Dieu. Zami moi, sou ta gon richesse, est-ce qu'on t'a aimé séparé avec richesse ça? Non non, ou t'a aimé ou même avec richesse ça nous indissociable. C'est même gentou. La Bible, la parole de Dieu, c'est richesse, trésor inestimable que bon Dieu confie ou pas ta doué séparer avec grande richesse ça. Tenez bien, oui, son privilège que lié. Bon Dieu pas confié richesse ça à Zanjo, mais le confie à ou même. Bon Dieu confie parole li à ou même spécialement. Ça veut dire, bon Dieu tout bon vrai, li veut enrichir la vie ou. Moi pas connaît à qui valeur ou estimer richesse parole là. Mais, humainement parlant, on est capable de dire, chaque coup prend un petit temps pour lire et pratiquer parole bon Dieu, c'est valeur ou ajouter à richesse ça, bon Dieu déjà confié là. D'où la valeur et l'estimation de ta richesse dépendent de toi. Et richesse ça, ou doit prendre soin li, ou doit garder li intact, ou pas doit mélanger li avec l'autre soi-disant richesse. Et également, ou pas de gaspiller li. Tenez bien encore, oui. L'apôtre Paul dit à Timothée, garde le bon dépôt. Ça veut dire, gen mauvais dépôt, gen mauvaise richesse. Chrétien, bon Dieu confie yon bonne richesse, la parole de la vérité. Ou doit surveiller pour que voleur, ennemi, n'y pas vin voler trésor ça, richesse ça, bon Dieu confie ou là. Ou doit faire tout ça dépend de ou même pour faire richesse ça grandir, pour bien gérer, bien utiliser li et augmenter valeur trésor ça que ou gagne. Mais qui bi bon façon capable faire ça? J'aime toujours dire ou la zami moi. Remet la Bible, lis la Bible,
étudier la Bible et pratiquer parole bon Dieu. Pas j'oublie non, dépôt ça, richesse extraordinaire ça bon Dieu bah ou ou fait pour garder lui et vivre avec trésor ça en bas grâce bon Dieu. Maintenant ami moi, est-ce qu'on pas ta remet augmenter valeur richesse ça que bon Dieu bah ou? C'est simple. Continuez avec programme de lecture biblique que vous gagnez et pas j'oublie. La Bible est un trésor.